Alors, les petits minous ont 3 semaines. Pasty est vraiment la plus réveillée de toutes. 2 mâles, 2 femelles. En fait, Zorine et Pasty sont des filles, et puis les 2 petits Robert, ben, c'est des garçons. Pasty, on dirait qu'elle a toujours une journée ou deux d'avance sur les autres. Elle est vraiment plus grosse que les autres aussi. Mais là, elle se promène, elle regarde. Minima nous laisse sortir les minous de leur cachette. Et puis, on les met sur le lit, on les met sur nos genoux. On ne s'éloigne pas du nid, par contre. Regardez-moi ça, si c'est mignon. Ça, c'est un petit Robert. On va l'étirer un peu. Regardez si c'est mignon. Oui, bonjour, petit Robert. Et ça, c'est ma Pastille. Pastille, on dirait qu'elle analyse beaucoup. Ce matin, je l'ai surpris à jouer avec un petit Robert. Zorine, elle, par contre, est super calme. Zorine, c'est celle-là ici qu'on voit faire dodo. Là, on la voit de dos, évidemment, on la voit pas. Hein. Mais elle est super calme. Puis quand on la prend, là, elle ne dit pas un mot. Elle n'est pas figée, elle est juste calme. Alors que les petits Robert, eux autres, ça miaule après leur mère. Ben, c'est des gars, hein. T'endors, ma Pastille? Là, la tétée vient de finir. Minima est à côté, puis elle mange, là, elle boit de l'eau. Et là, ça s'endort tranquillement, pas vite. Oh, les yeux ferment, les yeux ferment. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé d'avoir des minous dans mon garde-robe. Il y avait de l'air des souris, puis maintenant, ça commence à avoir l'air des chatons. Oh! Le gros sursaut. Hein, elle s'en va en promenade, petit. Ah, non. Elle va écraser ses 2 frères. Je te dis. Ah, bonjour Zorine. À 3 semaines, ils sont pas encore très solides sur leurs pattes. Là. Ils se traînent encore plus que d'autres choses quand ça marche, mais ils se promènent un petit peu plus. Là. La fenêtre d'activité est passée. Là, je l'ai manqué. Bon, ben, ça va être remis à demain, hein? Bonne nuit, les minous!